we're united. Kill the battery, but we can take the heat. Kill the battery, but we're the best and we don't hide it. Bien bonjour, ça va? Bah oui, bonjour. Ça faisait longtemps, hein? Très longtemps, ça fait 2 jours. 2 jours. Eh oui. Oh! Salope! Non, mais, fais pas gaffe, quand je fais cette voix, ça m'arrive. On voit une petite grotte avec de l'or. Ah, plus de l'or. Toujours plus, j'aime l'or. C'est bon l'or. Ouais. Bon, voilà. J'ai 4 opsies. Est-ce que je fais le portail? Bah, est-ce que je prépare pour le portail? C'est fou. Pas tout de suite. Tant qu'on n'a pas notre diamant, ça rien. Je veux dire, on va pas y aller pour les popos de speed pour l'instant. Non, c'est vrai. Peut-être faudrait qu'on fouille à fond le mineshaft et qu'on essaie de trouver... Ah, je les prends. Bah, non, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que je mine l'opsy pour avoir... assez d'obsidienne pour éventuellement nous faire un portail ou pas? Ah! On le fera avec Non. Saut d'eau, saut de lave. On pourrait le faire n'importe où. Ouais. Tu le sens, mais là, on va dire qu'autour de moi, il y a genre tellement de lave que... Bon, bah, voilà quoi. C'est pas fou. Coup. Bon, j'ai 40 flèches pour l'instant, mais je peux en faire encore... j'ai encore quoi? J'ai encore 7 plumes. Moi, j'en ai... Oh, qu'une. J'ai du diamant! Ah, good! Achievement gate. En même temps que Edorok, je ne sais absolument pas qui c'est. Je vais me faire taper par les joueurs, mais c'est pas grave. Le petit roux. Edorok, je sais pas qui c'est. Un joueur Holy Cube. Ah ouais, genre le mec qui connaît tous les cheats et tout de Minecraft, quoi. je rigole. Ah, une émeraude. Genre de l'or, parce qu'on aime ça. Alors toi, tu trouves l'or, moi l'émeraude. Qu'est-ce que je fais? M'a-t-il but? J'ai mis une flèche. Ceci était une flèche gaspillée. Elle vous est offerte par le point de vue de Frigiel. J'avais 5 diamants en tout, mon cher ami. Good. Bon. Et les zombies ne prennent pas systématiquement le knockback. Hein. Non. C'est un plaisir, du coup, d'affronter ces horribles créatures. Vous pouvez observer actuellement une belle vue sur la faille avec quelques squelettes dans les coins. Je redescends. C'est la faille où j'étais? Ouais. Ah ouais, ça peut être bien qu'il y aille. Alors, nous avons du lapis par ici, puisque Monsieur Frigiel ne les a pas du coup de prise. Prends-en, vas-y. Ah, j'en c'est ai plus besoin. Pas hein. Comme s'il y en avait sur toutes les façades des murs. Je vais retourner chercher mes fours, parce que je sens que je les oubliais. Jamais. Non. J'ai vu le gravier tomber, non. Par contre, je te laisse explorer la grotte, du coup. Ouais, tranquille. Parce que je l'ai pas fait, moi. Ça te va? Ouais, pas de soucis. Ok. Un grand plaisir. Quel plaisir de pouvoir tirer sur des archers avec mon arc. Toujours un plaisir, ça. C'est gratifiant. Ça descend là-bas aussi. Je retiens, là ça descend mais ça mène à rien. Là ça monte, on s'en fout. On va là où ça descend du coup, même s'il y a de l'eau encore dans tous les sens. Voilà, j'entends un slim. J'aime pas trop le fait que mes cubes soient aussi loin dans mon inventaire là. Ouh, une autre araignée. Bah ça sert à rien, mais on a déjà les fils. J'ai la mémoire courte. Elle m'a donné un œil d'araignée. Tu voulais faire des potions? Ouais. Pas grand chose par là. J'ai tellement l'habitude d'avoir les torches dans l'inventaire. Un zombie! Pas grand chose par là. Une émeraude.
Et... attention, instant de vérité. Du diamant! Ah bah bien. Je suis tombé sur un creeper, donc j'ai flippé. Genre, il y a le creeper sur le diamant. Bonjour, je le garde. Ouh, il y a deux squelettes qui gardent le diamant. Bon, bah ici, y a rien. C'est bon, je les ai eu. Encore un creeper! Et c'est le diamant le plus protégé du monde, hein. Il se mérite, celui-là. Et la pouffe dans la lave. Encore un squelette! Voilà, le diamant est sécurisé. Pouf! On peut souffler. Oh non, me dis pas que c'est un... Ah, ça va. 3, 4... Oh, rien avec 4, j'ai 9 diamants tout sur moi. On peut faire la table et les petites bottines. Ouais, effectivement. Là, ça mène à quoi? Ah, ça mène à une autre faille. 18. Alors, épée? Oui. J'ai entendu des gens. Ah. On se regroupe. Peut-être tenter quelque chose du coup. On pourrait. Après, on se retrouve au niveau de la faille pour l'instant. Bien. Ouais. Après, tout dépend contre qui. Je sais pas. J'ai pas voulu savoir. J'aurais dû arrêter de parler et écouter, mais il y avait trop de zombies autour. Et ça me fait stresser. Ça m'a fait une montée d'adrénaline tout d'un coup là. Ah, faut que je m'habitue à nouveau. Bon, la faille est explorée, y'a rien. Je suis là, je suis dans la faille, on va se mettre là. Viens, vas-y, viens, rejoins-moi. On va préparer, on prépare un petit peu tout. Oui. C'est parti. On fait chauffer ce qui est pas chauffé, enfin voilà quoi, tous ces trucs là. Tuc tuc tuc. Bon. Je donne, tu me donnes le psy, je fais la table d'enchante. Ouais. Tac. Merci. Bon bah le bois c'est bien beau, mais j'en ai une quarantaine, donc ça va le faire. J'ai des strings, j'ai 3 stacks de lapis, ça devrait le faire. C'est pas mal. Tiens. J'ai 2 stacks de coal. La table d'enchante, la voici. On va s'enchanter. Du coup, il me reste 7 diamants. Bien. Et toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 0. On va manquer un pour faire le plastron, donc je vais peut-être attendre. Ouais. Tant qu'il n'y ait pas le PVP qui nous tombe dessus. Pour l'instant, écoute mes petits niveaux, hein. On va se mettre du protec. Simplement. Viens de remarquer que je me suis pas fumé les bottines. Du bon petit protect 1, hein, c'est cool ça. Power. Ok. Je pense qu'on pourra en venir à tenter de voir si on peut les fights ou pas. Ouais. Ouais, ils sont peut-être partis autre part, mais on sait jamais. Ça pourrait être sympa. Être drôle. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur moi que j'ai pas fait chauffer? Non, bah le reste, ça... ça se fait tranquillo. Un arc du coup, ouais, on va pouvoir faire des arcs. Ouais, on va pouvoir en faire, ça t'as c'est pris cool. Des ficelles un peu dans le mineshaft. Ouais, j'en ai. Ok. Je crois de me faire un power 2 si tout va bien. On va faire un power 3, au moins un power 3 quoi. Ouais. On va peut-être manquer un peu de niveau, mais il faut essayer quoi. Et alors, je réfléchissais à ça, on commence à en parler parce qu'il risque d'y avoir du PVP. En soi, on va tomber sur des teams de 2. Oui. Si le mec il est tout seul, bon, on l'attaque, la question se pose pas. Si les gars ils sont 2. Il va falloir focus le mec, alors faut essayer de deviner un petit peu ou faut se baser sur sa connaissance, mais focus le mec qui sait le moins bien jouer, puisque de toute manière, peu importe lequel des deux on tape, les deux vont prendre les mêmes dégâts. C'est pas si faux. On tape celui qui sait pas jouer, qui sait pas fuir ou des trucs comme ça, bah là, il va prendre super cher.
Donc il faudrait toujours essayer d'attaquer le plus faible dans le groupe sur lequel on va tomber. Et éviter de se prendre celui qui est le plus fort. Et essayer de fuir le plus fort. Moi je fais Lenville. C'est fait déjà. Ah bon, ok. Attention. Ouais. J'ai bien fait de pas la faire finalement. Ouais. Parce que tu l'avais vu, je l'avais déjà posé. Ah oui, j'ai... Oups. Tac, 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 tac. Ok. Tac. Non, il faut que je fasse du bois. Tac, tac, tac. Voilà, ce qui me fait 64 flèches en tout pour l'instant. On va brûler... Tiens, j'ai 18 d'or, si tu Est-ce veux. Est-ce que je sais quoi je peux me débarrasser? De rien, tout est important dans ce que j'ai sur moi. 18 d'or, tu m'as donné? Ouais. Je vais me faire les pommes. Je vais me débarrasser de ma hache pour l'instant. Parce que si on doit looter sur des adversaires qu'on a tués, je vais pas apprécier d'avoir autant de trucs sur moi. Ouais, c'est pas fou. Il manque un petit peu de bois ici. Hop. Commence à être pas mal. Donc, les arc power, alors. Je vais en faire un deuxième. J'ai deux strings. Moi j'ai un tac, power tac. 2 actuellement. J'ai plus de level. Ouais. Je suis voilà. P2, plastron et jambes. Power 2, je pense que je vais pouvoir me faire mon power 3 moi. Pas être gênant. Toc. Petite phase d'optimisation du coup. Il en faut toujours. C'est bien, on a laissé pas mal d'XP sur les droites et gauches. Donc... Bah là, là, tu peux te servir. Là. C'est gratuit. J'ai 3 stacks de call quoi, lol. Et il me manque 2 niveaux pour me faire mon power 3. Toi t'as la pioche en diam, ça va plus vite. Ah bah nettement. Ensuite je vais tenter de faire un maximum de livres. Oui. Pour voir combien on en a en tout. Ah c'est vrai qu'il y a les bouquins. J'avais laissé ouais, plein de trucs ici aussi. Donc un niveau là encore du coup. En termes d'enchant, je suis plutôt bien. C'est quoi? Bah là, je suis quasiment protect de partout. Ah ouais, quand même. Moi non, parce que je manque un petit peu de fer pour ça. Ah tu veux du fer? Attends, tiens. J'en ai 42. Ah oui, ça sera large du coup. Mais je vais peut-être me faire... J'hésite à faire les bottines quand même. Hein. Je sais pas s'il vaut mieux faire le bâtiment en DM ce coffre. Coffre. Non, on va de... garder pour un plastron, on y croit, on y croit. Moyen, ouais, on y croit toujours. Puis c'est bien d'y croire surtout. Voilà, le power 3 il fait plaisir, surtout quand on a 64 flèches comme ça. Ah oui, 64, ouais, ça va. Ouais. Bon, ça part vite, mais ça va quand même. J'ai fait 13 bouquins. 13 bouquins. J'ai l'inventaire un peu plein. Bon bah les os ils servent à rien pour l'instant. On débarrasse. Donc que faisons-nous maintenant? Des belles choses. Bah déjà des épées sharpness 3 ça peut être bien. Bah j'ai plus d'XP mais... Faut que je au moins une épée sharpness 2 quoi. Dommage que l'obsidienne donne pas de l'XP. Genre beaucoup? Ouais, sachant que c'est long et chiant. Ah pour l'XP on ira dans le désert, de toute façon tout le monde va y aller et c'est pour ça que tout le monde va y aller. Oui. Moi je pense que tu devrais quand même tenter peut-être un power 3. Ah j'ai plus de string. Ah moi j'en ai encore. Il m'en faudrait 6. Merci. On va enchanter l'épée du coup, je vais me fabriquer une épée. On va l'enchanter. Tac tac. Tac. Et la blague du jour, est-ce qu'elle est forte? You. Wouhou. Time to strike. Attention. Achievement gate. Et c'est bidon, j'ai pas l'enchant. Est-ce que tu as peut-être sharpness là-dessus? Hop. Tiens,
Merci. C'était mon seul XP que j'avais encore. Et bah voilà, j'ai une sharpness 2. Pareillement. Bon, je suis full protect 1 par contre, là-dessus. Ma pioche va casser, je vais en faire tout de suite une deuxième, on sait jamais. Imagine en cours de bataille, je dois creuser et tout d'un coup ma pioche elle casse. Oui. J'apprécierai pas trop trop. Oh bah ça va, il y a pas mal d'XP à faire ici. Il y a de la redstone, il y a tout. Ok. Bah on reprend tout et on recommence à bouger un petit peu du coup. Ouais. On tiche. Moi je récupère un peu d'XP. Prends le charbon dans les fours. Prends les fours aussi. La justice sans vide. On va aller au niveau de la faille, on a entendu des gens. Peut-être qu'on trouvera leur portail du Nether et tout ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça évitera d'en faire un quoi. Sinon si t'as 3 cuirs, je peux faire 3 livres de plus. Non, je n'ai... Tu peux revenir au niveau des coffres, des fours et tout ça? Je suis juste au-dessus. Vas-y, redescends, du coup, je vais te montrer où est-ce que je les ai entendus. Je vais éviter de tomber là parce que... Hop. Hello. Ok, bah c'est là-bas, justement. Vas-y, viens, on y va. Allons à la chasse. J'ai vu une table de craft là-bas et... Oui. Allez, hop. Chut. Ils sont là, écoute. Écoute, je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre la voix d'Unster, moi. Moi, je sais pas. Mais j'avoue qu'il chuchotait, donc c'est dur de savoir. Et par contre, j'ai cru entendre parler d'Arc aussi, donc je suis pas très rassuré non plus. Non, pas par d'Arc. Donc je sais pas ce qu'on fait, s'il faut qu'on essaie de voir. On essaie d'y retourner un peu en mode silence et voir ce qui se passe. Ouais. Moi, quand on va tomber dessus. Non, le but c'est juste de savoir qui c'est. Et en fonction de qui c'est, on essaie de voir si on y va ou pas. Ok. Allez, on passe en mode silence les amis, peut-être pour sa fin d'épisode, on sait pas, on va voir. Garde ta pomme à proximité. Ah, j'en ai pas. Bon, ça t'en as pas. Bah, j'ai pas d'or. Attends, viens, je te donne de l'or, moi j'en ai plein. Merci. Ah bah. Il y avait déjà une table de craft à côté. Je pense que ce sera mieux comme ça déjà. Nettement. Allez, on va essayer de deviner qui c'est. Ils avaient l'air. Ah, t'es toujours là. Ils avaient l'air assez loin en soi. Hein. Assez loin. Se rapprocher, du coup. Assez loin ou haut? En hauteur, j'aurais dit également, oui. Attends. Je me fais juste ma dernière pomme. J'ai les cœurs qui battent à 100 à l'heure. Moi j'entends personne. Ils sont peut-être partis hein. On va aller au niveau de la faille là où je les ai entendus la première fois. Ouais. Je vais surveiller juste plus que d'habitude quoi. Attends, il y a un squelette, attention. Le petit coquin. Oh mec, ça c'est pas moi qui l'ai fait ça.
Ah oui, je comprends pas trop le délire. Ici c'était éclairé aussi avant. Ils sont passés par là, clairement c'était pas comme ça tout à l'heure. J'ai bien fait de fuir du coup. Effectivement. Mais j'arrive pas à deviner vers où ils ont pu passer, du coup. Y a pas de torche, y a pas plus d'indications. Bon bah, bisous tout le monde. Allez, fin d'épisode, suspense.